Le 28 mai 2008, un mercredi apparemment ordinaire, la vie de Moira Jones a pris un tournant inattendu et tragique. Âgée de 40 ans, Moira, une femme à l'esprit vif, s'est retrouvée en ville ce soir-là, en compagnie de son petit ami depuis 4 ans, Paul Thompson. Moira avait élu domicile à Glasgow, en Écosse, au Royaume-Uni. Son appartement donne sur un beau parc de la région sud de Glasgow. En 2003, elle avait quitté sa vie antérieure à Londres pour poursuivre une carrière de cadre chez Britvic. Glasgow avait rapidement conquis son cœur et elle avait tissé des liens profonds avec la ville et ses habitants. L'attachement de Moira pour Glasgow s'explique par la chaleur et la gentillesse de ses habitants, ainsi que par leur sens de l'humour contagieux. La ville, qui offre de nombreuses possibilités d'activités de plein air, s'est avérée être un endroit idéal pour quelqu'un qui aimait le grand air. Les sentiers, les collines, les vallons et les plages attiraient Moira, lui offrant d'innombrables possibilités d'explorer et de profiter de son amour pour le plein air. Ce soir-là, Moira avait initialement prévu de passer la nuit chez Paul. Elle était venue avec un sac de voyage prête à partager la nuit. Cependant, une dispute entre eux l'a fait changer d'avis. Déterminée à dormir dans son propre appartement, elle s'est mise en route pour rentrer chez elle, sans se douter que ce serait un voyage qu'elle ne terminerait jamais. Le matin du 29 mai 2008, une sinistre découverte a été faite à Queen's Park, à Glasgow. Un garde forestier est tombé sur le corps d'une femme sans vie, dissimulée derrière une haie de troène. La scène tragique était tout simplement horrible. La femme gisait face contre terre au milieu des buissons, le bas du corps découvert, vêtue seulement d'une paire de chaussettes. Sa veste et son soutien-gorge avaient été déchirés et son pantalon gisait entre ses jambes. Des documents portant le nom de Moira et des informations personnelles ont été trouvés à proximité, ce qui a conduit la police à son appartement. À leur grand désarroi, il n'y avait aucune trace de Moira chez elle. Craignant que le corps sans vie qu'ils avaient découvert ne soit le sien, les autorités ont rapidement pris contact avec les parents de Moira, Beatrice Bia et Hubert Hugh Jones, qui résidaient à Weston, dans le Staffordshire. Le message angoissant qu'ils leur ont transmis était qu'ils pensaient que le corps de Moira avait été retrouvé, mais qu'ils n'en étaient pas tout à fait sûrs. Ils avaient besoin que les parents endeuillés identifient leur fille. Leurs pires craintes se sont confirmées à la vue de la forme sans vie. Il s'agissait bien de Moira, leur fille bien-aimée. L'inimaginable était devenu une dure et cruelle réalité. Moira n'avait pas seulement connu une fin tragique, elle avait subi le plus horrible des destins. Elle avait été violée et battue à mort. Alors que l'enquête sur le meurtre de Moira Jones se poursuivait, la police s'est trouvée confrontée à un défi qui la laissait perplexe. Ils avaient identifié avec certitude la victime comme étant Moira, mais son meurtrier restait une figure obscure, insaisissable et non identifiée. Les preuves ADN prélevées sur le corps de Moira avaient définitivement écarté le suspect Paul, son petit ami. Néanmoins, le profil ADN extrait de la scène de crime ne correspondait à personne dans la vaste base de données du Royaume-Uni. Dans sa quête de réponse, la police a ratissé large. Elle a examiné les activités de 22 délinquants sexuels enregistrés résidant dans les environs et les a interrogés. Elle s'est également entretenue avec des personnes ayant commis des infractions pénales à proximité du parc et a parlé à des mineurs connus pour fréquenter la zone. Malheureusement, aucune de ces conversations n'a permis de faire avancer l'affaire de manière significative. Toutefois, les enquêteurs ont réussi à reconstituer la chronologie des événements et ont obtenu des images de vidéosurveillance cruciales montrant un homme en compagnie de Moira. Cet homme non identifié est devenu un élément central de l'enquête et la police s'est empressée de le localiser et de l'interroger. Le tournant de l'enquête s'est produit lors d'une enquête de porte-à-porte, lorsque la police a eu une conversation avec une femme nommée Lucy Pechtlova, originaire de la République tchèque. Les informations qu'elle a fournies se sont avérées déterminantes pour élucider le mystère entourant la mort tragique de Moira Jones. Le récit de Lucy à la police a mis en lumière la présence d'un homme nommé Marek Arkar, un ancien soldat slovaque de 33 ans, mesurant 6 pieds 3 pouces et âgé de 33 ans. Lucy et Marek avaient déjà travaillé ensemble à Liverpool en 2 miles 7.
Marek est arrivé à Glasgow le 18 mai 2008 et, comme il avait besoin d'un logement, Lucy lui a proposé d'habiter dans son appartement de Queen's Drive. Cependant, le séjour de Marek chez Lucy s'est avéré loin d'être productif. Alors qu'il était censé rechercher un emploi, il s'est adonné à une consommation excessive d'alcool et à regarder des films explicites. Dans la soirée du 28 mai, Marek a quitté la chambre vers 22 heures, apparemment en état d'ébriété, et a indiqué à Lucy qu'il sortait pour trouver des filles de petite vertu. Le lendemain matin, Marek est revenu à 3h15, mais selon Lucy, il était différent et semblait avoir peur de quelque chose. Étonnamment, Marek a quitté le studio le 1er juin, abandonnant toutes ses affaires sans préavis. Des enquêtes ultérieures ont révélé que Marek avait pris un volume pour la République tchèque et avait poursuivi son voyage en bus jusqu'en Slovaquie. Lucy a remis les affaires de Marek à la police, qui a procédé à des tests ADN, ce qui a permis d'établir un lien crucial avec le crime. La veste en cuir noir de Marek contenait des traces du sang de Moira, ce qui constituait un élément de preuve irréfutable qui aurait de profondes répercussions sur l'enquête en cours. L'arrestation et l'extradition de Marek Arkar vers le Royaume-Uni ont marqué un tournant dans l'affaire Moira Jones. Le procès de Marek Arkar s'est ouvert le 12 mars 2009 à Glasgow et il a dû répondre à une série d'accusations graves, notamment de meurtre, de viol et de volume. Tout au long de la procédure, Marek a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité pour tous les chefs d'accusation. Le tribunal a appris que Marek était arrivé au Royaume-Uni en 2007 et qu'au moment du meurtre tragique de Moira, il n'était à Glasgow que depuis 10 jours. L'accusation s'est concentrée sur le fait que Marek était l'auteur du crime. Il a présenté un récit convaincant, affirmant que Moira rentrait chez elle après avoir quitté la maison de son petit ami dans la nuit du 28 mai, mais que Marek avait des intentions tout à fait différentes. Il avait consommé une grande quantité d'alcool, notamment de la bière et de la vodka, et on l'avait entendu dire qu'il allait chercher une femme. Selon l'accusation, Moira retournait à son appartement, où elle avait initialement prévu de passer la nuit, munie d'un grand sac de voyage noir. Elle a garé sa voiture à une soixantaine de mètres de son appartement, près de Queen's Park, vers 23h30. L'accusation a soutenu qu'à ce moment-là, Marek s'est approché de Moira et l'a contrainte à marcher avec lui le long d'un sentier. Des preuves cruciales ont été fournies par des images de vidéosurveillance obtenues à partir d'un bus First Bus qui passait par là et qui a filmé deux individus traversant Langside Road et marchant le long du périmètre de Queen's Park. Le jury a pu constater le contraste saisissant entre la taille et la stature des deux personnes filmées. Moira, qui ne mesure qu'1,50 m et pèse moins de 9 kg, est apparue nettement plus petite que l'homme qui l'accompagnait. L'accusation a soutenu que le personnage imposant était Marek, qui, du haut de son 1,90 m et étant un adepte du kickboxing, possédait un avantage physique considérable sur Moira. L'accusation a également détaillé l'itinéraire que Marek aurait forcé Moira à emprunter. Un témoin a déclaré avoir vu un homme et une femme près d'un buisson de houx à proximité des cours de tennis, où 6 boutons du haut de Moira et un mégot de cigarette portant l'ADN de Marek ont été découverts. D'autres images de vidéosurveillance ont montré un homme sortant du parc près de l'église baptiste de Queen's Park sur Balvicar Drive à 2h15 du matin. L'accusation a soutenu que cet individu était Marek, qui était seul à ce moment-là. Le dossier de l'accusation a dressé un portrait sombre et affligeant des événements survenus à Queen's Park. Selon leur récit, Marek Arkar a conduit Moira de force dans le parc, l'a agressée violemment et sexuellement et a volé certains de ses effets personnels. Les résultats de l'autopsie ont révélé l'étendue effroyable des blessures de Moira et ont permis de mieux comprendre l'attaque déchirante qu'elle a subie. Les résultats de l'autopsie suggèrent que Moira n'a probablement pas succombé à ses blessures avant 2h du matin, ce qui implique qu'elle a peut-être enduré son calvaire pendant environ 2h30. L'examen a révélé un total choquant de 65 traumatismes contondants distincts infligés à Moira, causés par des coups de poing, des coups de pied et des coups de pied. 6 blessures ont été attribuées à un traumatisme contondant grave et soutenu. Le docteur Marjorie Black, médecin légiste, a témoigné à la barre.
Elle a détaillé les 65 blessures externes, dont un nez cassé et deux yeux au beurre noir. Les blessures de Moira comprennent des lésions cérébrales, des fractures de la pommette droite et du larynx, ainsi que des côtes meurtries. Elle présentait de graves ecchymoses sur toute la tête et le visage, et l'une de 16 dents de devant avait été arrachée. La poitrine, le dos, les jambes et les fesses étaient également couverts d'ecchymoses. La salle d'audience a été saisie par le témoignage convaincant du Dr Black, qui a dévoilé les sinistres détails entourant la cause du décès de Moira Jones. Le Dr Black, témoin expert, a révélé que les blessures à la tête et au cou infligées à Moira étaient les principaux facteurs de sa mort tragique. Dans une révélation qui fait froid dans le dos, elle a suggéré que de petites hémorragies dans les yeux de Moira laissaient supposer un élément d'asphyxie potentiel dans sa mort. La présence d'ecchymoses sur le dos des mains et des bras de Moira, que le Dr Black a décrites comme des blessures défensives typiques, a également suscité des inquiétudes. Le témoignage de l'expert du Dr Black a également mis en évidence un aspect pénible de l'affaire. Rien n'indique qu'une arme ait été impliquée dans l'agression. Elle pense au contraire que les blessures ont été infligées par des coups de poing ou de pied. Les nombreuses ecchymoses sur le cou de Moira l'ont amené à supposer que CIS ecchymoses auraient pu être causées par un bras, une jambe ou un genou comprimant le cou de Moira alors qu'elle était au sol. L'atmosphère de la salle d'audience est devenue de plus en plus sombre au fur et à mesure que le Dr Black décrivait d'autres constatations pénibles. Des saignements entre les couches du cerveau de Moira et une quantité modérée de sang dans sa trachée laissent entrevoir l'horrible épreuve qu'elle a subie. Il a été révélé qu'elle avait avalé une partie du sang pendant l'attaque. Le Dr Black a également révélé que Moira avait également ingéré d'autres éléments pendant l'agression, tels que des fragments d'écorce, des fragments de feuilles d'herbe, des fragments de cuticules de plantes et des fragments de squelettes de feuilles. Les implications étaient obsédantes, suggérant que Moira avait été forcée d'avaler ces objets alors qu'elle était encore en vie. Le dernier élément de preuve accablant est la révélation de l'ADN. Un prélèvement vaginal a permis d'obtenir un échantillon de sperme sur le corps de Moira, et l'ADN trouvé sur les vêtements et le corps de Moira correspondait à l'ADN de Marek, et le jury a été informé qu'il y avait 1 milliard de chances sur 1 qu'il puisse appartenir à quelqu'un d'autre que Marek. La salle d'audience était remplie d'une multitude de témoins, chacun ajoutant sa propre pièce au puzzle obsédant du meurtre de Moira Jones. Plusieurs habitants vivant près de Queen's Park ont déclaré avoir entendu des bruits inquiétants dans la nuit du 28 mai. Une femme, résidant dans un appartement donnant sur le parc, s'est souvenue d'un moment glaçant où un cri puissant a percé la nuit, avant d'être brusquement réduit au silence. Deux autres couples qui se promenaient dans le parc ont déclaré avoir entendu Moira dans une détresse évidente. Un chauffeur de taxi s'est même tourné vers son compagnon et a déclaré « S'il y a eu un meurtre, nous venons de l'entendre ». Ce fut une révélation brutale que, malgré la rue très fréquentée et le nombre de personnes ayant entendu une femme crier et en détresse, personne n'est intervenu Nina appelé la police, laissant les événements tragiques se dérouler en silence. En outre, un voisin résidant à proximité du logement où Marek a séjourné a présenté un témoignage convaincant. Il a raconté comment Marek s'était approché de lui dans la nuit du 28 mai, répétant frénétiquement « Je cherche une femme ». Dans son réquisitoire, le procureur, l'avocat général Elish Angiolini QC, a exhorté le jury à déclarer Marek coupable sur la base des preuves présentées. Elle a brossé un tableau effrayant du meurtre odieux dont a été témoin Moira Jones, implorant le jury de fonder son verdict sur les preuves plutôt que sur l'horreur émotionnelle écrasante du crime. « Le mal ne prévaudra pas », a-t-elle déclaré. De l'autre côté de la salle d'audience, la défense a soutenu avec véhémence que la police avait inculpé la mauvaise personne. Elle a affirmé que 3 autres hommes étaient impliqués dans le meurtre, alors que Marek était innocent et qu'il se trouvait dans le gîte de Lucy au moment du crime. La défense a particulièrement pointé du doigt l'un de ces hommes, Jason Mulleron, un délinquant sexuel condamné. Elle a cité des similitudes entre ses actes criminels antérieurs et l'agression de Moira, en soulignant l'absence d'alibi pour la nuit où Moira a été tuée. La défense a également affirmé que Jason avait avoué le meurtre à son ex-petite amie, qui a été tellement alarmée qu'elle l'a signalé à la police,
Cependant, lorsque Jason a témoigné au tribunal, il a nié avec véhémence toute implication dans le viol ou la mort de Moira, contredisant ainsi les affirmations de la défense. La défense a imploré le jury de déclarer Marek non coupable et l'a encouragé à envisager la possibilité qu'un autre homme soit responsable du meurtre. Elle a également insisté sur la nécessité de faire preuve de scepticisme lors de l'évaluation des preuves ADN présentées par l'accusation, rappelant au jury que les scientifiques ne peuvent fournir que des probabilités et que l'ADN doit être considéré comme un outil au même titre que d'autres preuves. Le sort de Marek Arkar est désormais entre les mains du jury, qui a la difficile tâche de déterminer la vérité dans cette affaire complexe et effrayante. Le procès, qui a duré 20 jours, a tenu la salle d'audience en haleine. Cependant, le jury a rendu son verdict rapidement, en moins de 2 heures, déclarant Marek coupable de tous les chefs d'accusation. Le président du tribunal, Lord Bracadale, a prononcé une sentence sévère, condamnant Marek à la prison à vie avec une peine minimale de 25 ans. À la suite du meurtre tragique de Moira, sa famille a canalisé sa douleur dans une noble cause. Elle a créé une organisation caritative, The Moira Fund, dont l'objectif est d'apporter un soutien aux familles endeuillées par un meurtre dans tout le Royaume-Uni. L'organisation caritative offre des subventions pour couvrir diverses dépenses, telles que les frais d'obsèques et le transport au tribunal, tendant ainsi une main secourable à ceux qui en ont le plus besoin pendant les heures les plus sombres de leur vie. Ainsi, la mémoire de Moira demeure une source de réconfort et de soutien pour d'autres personnes ayant subi des tragédies similaires.